Ça va vite. Ça va très vite. Donc c'est à toi, mes chers frères et sœurs. Le monde que nous vivons, c'est là, est en train de prendre une autre tournure. Donc si vous, les parents, qui avez vécu des situations, vous ne prenez pas des mesures strictes, mets ça dans la tête de ta fille à partir de 9 ans. Ne te dis pas qu'elle est petite, nos enfants sont précoces. À partir de 9 ans, commence à mettre ça dans sa tête. Si c'est le genre de petite fille là, qui aime coller les tontons là, tu lui dis que, hey, quand un tonton arrive à la maison, tu dis bonjour, tu passes. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tu lui prends des exemples des enfants qui ont été gnoxés par des hommes. Parce que ça existe. Vous avez une petite fille qui est gentille, qui aime coller les gens. Demain, quelqu'un commence à flatter avec le bonbon. C'est l'ami de maman, il vient souvent à la maison. C'est la majorité des gens qui vous entourent, qui gnoxent vos enfants. Parfois, ce sont les amis de vos collègues. Parfois, ce sont même vos collègues. Voilà ta petite fille qui vient te rendre visite au bureau. Ah, la fille de telle, prends 2000. Ah, le tonton, elle est gentille. Hey. Tu dois apprendre à ton enfant tout ce qu'on appelle, comment, c'est-à-dire toutes les stratégies d'un homme, quand un homme veut t'avoir. Tu lui dis que quand un homme te donne déjà l'argent gratuitement, rien n'est gratuit dans la vie. Apprenez à vos filles, à vos petits garçons que rien n'est gratuit dans la vie. L'ami de maman n'est pas ton ami. Ce n'est pas parce qu'un homme te donne 100 000 francs que ça veut dire qu'il est gentil envers toi. Il veut quelque chose. Juste que pour le moment, il ne te demande pas encore. Ton enfant doit être averti, fille comme garçon. C'est ça le rôle d'un parent. Dès que tu commandes donc à bien travailler son cerveau, le jour que l'homme lui donne l'argent, elle peut carrément dire non merci. C'est ça qu'on appelle un enfant est bien éduqué. Ça veut dire que le parent a fait son travail. Le parent, ce n'est pas inscrit à l'école, donner à manger, tu dors. Ton enfant marche avec qui à l'école? Les parents du garçon, là, ce sont de qui? Vous avez les petits garçons qui arrivent à la maison. Oh, c'est mon ami. Ils ont là les 14 ans. Bunga boy, maman, Satan. Elle vient te dire, toi, tu te dis aussi que c'est une gamine. 14 ans, c'est une gamine. Ma grand-mère là, mariage à 13 ans. Et à 14 ans, elle a eu son premier enfant. 14 ans, c'est une gamine. À partir de 9 ans, parle-lui. Des accouchements. Comment on tombe enceinte? Le rapport sexuel. Les inconvénients d'un rapport sexuel non protégé ou protégé. Les inconvénients d'un rapport sexuel. Les embrassades, même si la personne est atteinte spirituellement. Parle-lui du spirituel. Oui, l'enfant aura peur, c'est mieux. Parce que le monde que nous vivons, si beaucoup de personnes ont été vues détourner leur vie, ont été cachées à cause d'un rapport sexuel. La première personne qui monte sur toi, tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Par naïveté, tu vas faire. Combien de filles sont allées faire, ne savaient même pas ce qu'elles faisaient? Combien? Vous êtes au nombre de combien? Ou tu es allé coucher avec quelqu'un, tu ne sais même pas ce que tu fais. Juste par naïveté, par suivisme.